CLM, ça va ou quoi, Royan? Ouais, CLM, moi, allez. C'est quoi la radio? C'est quoi la radio? C'est 75, mais là j'étais en ambulancé. Vous allez faire quoi? Je sais pas, moi, il y a les autres, ils m'ont appelé le Madrazo, hermano. Ah, bah, comment ça, ils t'ont appelé toi? Les... Bah, ouais, parce qu'il a mon numéro pour les 500, Royan, oublie pas l'échange qu'on devait. Ah, ouais, l'extasy, ouais, c'est vrai. Bah, vas-y, ouais, venez QG. Vas-y, on arrive QG, Ces conversations qui n'ont aucun sens. Salam! Roy Abella, viens sur la radio. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, la zone. Comment ça se fait que le garage il est vide? La putain de sa mère! Salam, moi le quoi? Ouais, les quoi? Salam! Comment allez-vous les amis avec un grade? Ah, ok, d'accord. Ça va et toi, Royan? Handla. Ça va la femme? Ça va, ouais. T'as la coupe, Voilà. Eh hey, les gars, go 24-7, on va récupérer notre dû. Un 24-7, $40, les $40, Royan. Ah oui. Ils doivent nous payer. Ah bah oui, c'est vrai. Depuis le temps que je leur ai pas demandé, là. Tobias, prends le setter, Tobias. Vas-y. On est fourrière, go 24-7, Tobias. Je suis devant. Moi, les gars, moi je dis, on arrive avec des boîtes de baseball, on casse tout ce qu'il y a dedans et on leur dit, payez-nous. Eh, on est à $160 là depuis le temps. Vous avez des boîtes de baseball ou pas? Non. On fait comment du coup si on n'a pas de boîte de baseball? Vas-y, t'en as. Démarche ta roue, j'y vais comme ça, vas-y, viens. Viens, les $40, viens. Attends. Discret, Tobias, viens, je te passe un extincteur. Vas-y. T'as pas aussi un bandage? Ouais, tu veux des bandages? Parce que là, vraiment, je suis à ça de... Mais t'inquiète, on va aller à l'hôpital après. Là tu me mets une caresse, je tombe, je meurs. T'as l'extincteur ou pas? Voilà. Oh, miskin. Voilà. Attends, mais... Voilà. Non, c'est pas possible, frère. Je t'ai poussé, frère. Ah là là, qu'est-ce que j'ai faim. Oh là là, qu'est-ce que mon ventre, il fait des gargouilles. Ah là là, qu'on va te casser. Ah là là! On va direct, le patron il est là ou pas? Non, ils sont pas là, ils sont en week-end. Papa chinois, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est pas là? Non, pas là. Je pose les mains sur la table. Écoute, ce que tu vas faire, on a un accord avec le patron. Nous, on est des faux malades. Regarde, des trucs de fou, t'es pas au courant. Regarde, t'as vu? Donc écoute-moi bien, ça fait 3 jours que ton patron il a pas payé la taxe carbone. Donc tu vas ramener $160 tout de suite. Thanks. Attends, je regarde si j'ai ça sur moi. Quoi? Non, pas sur toi, dans la caisse. Pas sur toi, tu vides la caisse, mec. You know, bro? On veut pas ton argent, on veut l'argent des 7 super-êtres, regarde. Attendez, on est en mode violent. Okay, désolé. Le problème, c'est que moi, je suis qu'un apprenti. Y'a pas de problème, y'a que des solutions, Royan. Tu vas appeler un patron au-dessus de toi. Oh, je vais m'énerver. Oh là là, ça va tout casser. Oh, là, alors, les $160, héros des putains. La magnana. Ah, le problème, c'est que je vais bien vous payer. Y'a pas de problème, Royan. Il a dit qu'il veut bien nous payer. Je vois, y'a pas de soucis. Ah non, mais. Et c'est qui tes patrons? Madame Alisha et Monsieur Adam. Ah ouais, et ils te laissent comme ça, en galère comme ça? Bah, le problème c'est qu'en ce moment y'a personne en service et je suis vraiment le seul. Ah ouais, le pauvre. Bah, tu sais quoi, tu sais ce qu'on va faire? Là aujourd'hui, on te donne $160 et on vient les récupérer la semaine prochaine.
Voilà. Pas de soucis. Okay, en fait, parfait. Je fructifie. Quelqu'un a 160 dollars, les gars, à lui donner? On va les récupérer la semaine prochaine. Normalement, j'ai ça. Business is business, hein. J'ai 45 dollars. Quoi? On lui donne pour les reprendre? Oui, mais on reprend le double la semaine prochaine. Eh ouais, business is business, regarde. Ouais, mais mon dans ces cas-là, c'est comme si c'est 160 en fait. Mais non, mais t'inquiète, regarde, si c'est quelque c'est le business, ouais, business. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas, regarde? Ouais, ouais, j'ai compris. Et c'est la dernière fois qu'on te fait ce geste, hein. C'est mieux pour toi, ok, d'accord. Vas-y, gaz-le, 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 gaz-le. Voilà. Comme un plouc, t'es un bâtard. Aïe. Oh, je connais le coup d'assurance parce que je le connais. Je connais le coup d'assurance. Oh, le croche patte. Prends des photos, Tyrone, on sait jamais parce que. Eh, c'est Wizard News, non? Très bon travail, très bon travail, les combini. Très bon, bien joué. Très bon travail, les combini. T'as l'air, c'est quoi, mon combini, moi? Monte dans la voiture, monte dans la voiture, monte dans la voiture, monte dans la voiture. Allez, ça part de là. Monte dans la voiture. Comment ça, faut que je vois avec celui qu'elle est faite. Monte tes souhaits, monte. Tiens, je te rends l'extincteur. Monte tes souhaits, monte. Vas-y, vas-y. Va dans le coffre, va dans le coffre. Va dans le coffre. Je lève ton cou, donc je le redresse. Pas dans le coffre. Monte, Tobias, monte, monte. Un kidnapping arrive entre deux nos yeux. C'est pas un kidnapping, c'est un emprunt. C'est un emprunt. T'inquiète, c'est une location longue durée. Voilà, bon, écoute-moi bien. On va faire un combiné, t'as compris ou quoi, l'otage? C'est pas moi, monsieur. Tais-toi! On combine. T'as compris? On va combiner ou on va pas combiner? Combinons. Voilà, donc j'ai mon copain dont le nom restera totalement anonyme. Hamed Raven. Anonyme. Voilà, donc écoutez-moi bien, on va aller là-bas, on va faire un combiné. T'as compris ou pas? C'est bon ou pas? Ouais, voilà, tu lui fais le combiné du siècle. Je sais pas, tu lui dis parle-lui que de meuf, tu vas voir. Moi aussi, je fais combiné. Hamid, viens Wizard, Que des questions sur les meufs, vous allez voir. Show, hein. T'as compris? Est-ce que c'est bien compris, il a dit? Baisse les mains, prends le avec James, Zahma. C'est parti. Ouais, mais c'est pas une machette, c'est une macheta, c'est pas. Kifta, tu fais peur avec ton déguisement là. T'as vu? Eh, on avait pas rendez-vous avec les. Ah ouais, on a deux rendez-vous en vrai. Bah oui, c'est pour ça. C'est pas grave, vite fait. Vas-y, vite là, le combiné là. Allez, accélère. C'est pas si vite fait que ça. Accélère, combiné man. Ouais, parce que des papas, tout ça. Allez hop. Combiné man, allez, cours. On peut vous aider? Merde, c'est pas un entretien, c'est monsieur. Ouais, je suis venu pour un stage. Ouais, bah tu peux dégager s'il te plaît, on a des trucs à faire. Ah ouais, t'as l'air vachement motivé. Bah, je suis très motivé depuis tout à l'heure, j'attends. Ouais, mais vous avez une boîte Pokémon, monsieur? Tu peux dégager, tu reviens après. Non, mais attends, parce comment ça, dégager? Je suis un gangster. Viens, on va te tester pour le stage, viens avec nous, t'inquiète. Ah, t'es un gangster? Ouais, d'accord. Viens, t'inquiète, on va te tester. Viens, gangster, viens. Ouais, viens, on va gangsteriser. C'est quoi ton background? Viens, on va gangsteriser ta gueule. Je suis un gangster, c'est tout. Je suis un gangster. Combiné, il a sorti son téléphone, il a fait des trucs parce qu'on parlait aux petits gangsters, hein. Je dis ça, tu rien. Vous êtes pas des gangsters. Eh, t'as pris ton téléphone, toi? À toi, là. Je filme avec. Non, pas de machette, t'inquiète. Ok. Notre arme, c'est le cerveau. Est-ce quelqu'un qui arrive, la police, elle arrive, bah on t'arrache tout. On dit du coup, ça va être pour le combiné de Hamid. T'as des questions déjà de prête ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment pas moi les gars qui prépare ça d'habitude. Bah tu sais quoi, le stagiaire, vas-y le stagiaire, pose des questions à Hamid. Ouais, la street. Attends, viens, je vais te briefer, viens le stagiaire, je vais te briefer deux minutes. Ouais. C'est quoi ton nom? C'est Rudy, mec. Le gangster de la ville, ouais. Écoute, Hamid, tu vois, c'est un pote à moi et il kiffe les meufs. Ouais, comme tout le monde, ouais. Non, mais lui en fait, il a ken toutes les meufs de Los Santos, quoi. Genre, il a un catalogue mais vivant, tu vois. C'est à dire que c'est limite un tueur en série. Il collectionne des paires de chaussettes, des paires de strings. Donc en fait, il faut que tu l'interroges comme si c'était un tueur en série. Du coup, par exemple, quel était le nom de votre première victime, qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre type de victime préférée. En fait, il faut que ce soit un combiné un petit peu genre. Et tout. Voilà, c'est ça. Regarder des séries. Voilà. En fait, il faut que tu le bouscules, tu vois. Il faut que tu le déstabilises comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut le déstabiliser, d'accord? Je suis un gangster. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il se passe quoi? En fait, c'est lui qui va poser des questions à Hamid et je suis en train de le briefer vite fait, tu vois. Ah, t'es en train de le gangsteriser? Ouais. C'est bon, t'as compris ou pas? Je suis un gangster, mec. T'as compris ou pas, mec? Je ramasse mes affaires. Ouais. Tiens. Il faut que tu le déstabilises, d'accord? Ouais. Vas-y, okay, toi. Eh, t'as 1000 dollars à la clé. 2000, ok. 1000.
3 points de mille. Parce que c'est 1000, tout simplement. Comme ça, ouais. Ok, prends 1000 au camp. Vas-y, mets-toi bien, wesh! Arrête de faire la victime! Mets-toi comme un bonhomme, on te dépend dans ta gueule! Voilà, bonhomme, c'est quel plus fort! C'est moi, c'est Rudy! C'est bon, il y a le stagiaire, il va poser des questions à Hamid! On fait combiner à deux avec Hamid! Ouais, ça marche! Ouais, ouais, il m'a invité! Stagiaire. Du coup, enchaîne des questions, ouais. Alors, monsieur Hamid, quelle a été votre première victime, monsieur? Ma première victime au niveau des femmes, Pils! Dites-nous en plus. Non mais Roya, mais elle a même pas dans ton CV. Roya, c'est une JAV, voilà, c'est une JAV. C'est pas un combiné, voilà, c'est une JAV. Question suivante, s'il vous plaît. Quelle était okay. votre première victime, Mélanie? Quels sont votre type de victime, monsieur? C'est quoi ces questions de merde? C'est deux réponses, en fait. Faut qu'il y ait deux choix entre deux. Non, c'est très bien, c'est très très bien comme question, c'est très bien, on valide. Je peux faire les deux réponses, ok. Brune ou blonde? Brune. Noire ou blanche? Peu importe. Ah ouais. Homme ou femme? Femme de préférence. Quoi? De préférence, il est pas femme. Peu importe, c'est une femme. Il casse les couilles. Du coup, morte ou vivante? Peu importe, tant que c'est une femme. Oh, ça en fout. Même pas, je te dis salam en wifi, frère. Oh, regarde, Zama, vivant d'Arkham, ouais, quand même, tu crois qu'on est des... J'avoue, il touche d'humour, bah c'est important. Oui, c'est combiné, ah, oui. Non ouais, bah, ouais. C'est clairement pas de l'humour, ouais. J'étais clairement sérieux. C'est cul ou gros cul? Ça, gros terme. Cul ou sein? Je dirais sein. Avec ou sans les dents? Ouais. Sans. C'est mieux, ça, c'est mieux, clairement. Avec ou sans cheveux? Avec, ça fait mal. Avec ou sans cheveux? Avec de de préférence avec, hein, clairement. Aïlé ou Pils? Aïlé, elle est un peu plus féminine. Un peu plus seulement? C'est un bonhomme. C'est clairement un bonhomme. Kefta ou Tobias? Kefta. Maroc ou Algérie? Algérie. Boxeur ou caleçon? Boxeur. String ou tout nu? Tout nu. Hamid ou Walid? Walid, c'est le sang. Avec ou sans bras? Avec. Il est trop chien, Tobias, il a dit avec ou sans bras, il a pas compris avec ou sans dents tout à l'heure. Je crois que c'est bon en vérité, il y a pas mal de questions hein, d'enchaîner ouais. En vrai. Hein. Bah du coup à Tobias alors. Tobias. Allez, hop. Vas-y. Tiens devant moi ce que c'est. Oui. C'est contre la technique contre... ou quoi c'est ouais. La vidange là. Je m'échauffe, allez-y. Vas-y stagiaire. Vas-y c'est parti. Vas-y, ils vont lui mettre un fond vert où il y a une ville derrière Zem. Homme ou femme? Femme, mais j'aime les hommes. Ouais. Hein? Non, un ami, okay, d'accord. Waouh, validé. En ami, on le met non, pas. Non, mais j'aime les femmes, mais les hommes, en ami. D'ailleurs, je suis un entretien, par je te rappelle. Hamid, je l'aime bien. Oh, vous êtes bizarre, vous aussi. Vas-y, continue. Ok. Il y a un mec qui a volé notre véhicule. Pardon? Russe ou brune? Et on est au combiné. Russe ou brune? Qui a volé notre ah bon, on arrive. Vas-y, on arrive, garde-le en joue. J'aime les Russes. Un mec qui a volé la Revolter qui était devant. Il est où? Tyler, il l'a enlevé apparemment. Mais je pense que c'est Tyler qui a enlevé le mec. Après. S'il vous plaît. Ouais. Désolé. En film, s'il vous plaît. Écoutez le gangster. Désolé, monsieur le gangster. Désolé. Vas-y, on commence. Respectez-moi. Vas-y, fais le mot de la fin, Tobias, on t'écoute. Vas-y, Tobias. Vas-y. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. De te marquer la pouce bleue, l'abonnement avec la cloche. Et voilà, dédicace à lui, à elle. Voilà, là, c'est le mot de la fin. Ne nous remerciez pas, c'est gratuit. Ding ding ding. Nickel. Ding 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 dans mon crâne, ouais. Faut. Au revoir. Oh Hamid, t'aurais pas oublié quelque chose. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi je te laisse Hamid. Wouh, nous voit comme ça, c'est... Ça s'attrape ou c'est perdu à jamais, dis donc. Bah ça sera peut-être perdu à jamais.
Je t'attrape par le col et je te tire avec moi. Allez viens, allez viens. Ah, et là, il travaille au corps. Hein. Voilà, je suis actuellement ambulancier, médecin. Vous faites quoi, vous, dans la vie, madame? Oh, monsieur, vous n'avez pas 5 dollars, s'il vous plaît, pour le café. Et vous me donnez 5 dollars, vous me sauverez la vie comme pas possible. Je vous serai entièrement redevable. Prenez 40 dollars et prenez je vous remercie, mais beaucoup, monseigneur. Merci beaucoup. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aurais pas fait sans vous? Je vous remercie, vous m'avez sauvé la vie. Oh, t'inquiète, avez... dégage, petit cuivre. Faire foutre. Du coup, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît, excuse-moi. Louis, Louis, votre prénom. Louis. Louis. Ouais. Ah, comme dans Superman. Ok. Louis, du coup, oui, c'est quoi dans la vie, Louis? Ben, je suis jeune. C'est un signe. Vous faites quoi? Vous êtes spécialiste dans quel domaine de la journalisme? Moi, je suis plus dans la présentation, en tant que présentatrice, forcément. Et après, j'écris quelques articles. Mais présentation de quoi? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus dans votre travail? Présentatrice télé, etc. Comme des informations, etc. C'est quoi, c'est une soirée D'accord, alors un petit Nouveau message pour Hamid Ravan. Oh Hamid, t'es en haut de la haram, on est avec des meufs là à l'unicorn. Ramène-toi, tu voulais des putes, vas-y, viens. Je te laisse un message, salut. Ça m'en manque l'odeur de ta kill, yes, bitch. Bon, Oh, t'as des messages bizarres, lui. Oui, je suis un peu. Dites-moi, Louis, j'ai un peu attendu, c'est vrai, mais je pourrais. Peut-être on pourrait se revoir à une occasion pour aller boire un petit verre, un petit café ou un petit on dirait une scène de crime. Une petite limonade. Bah écoutez, oui, avec plaisir, pas de soucis. Mais... Je prends vos coordonnées, s'il vous plaît. Coordonnées, oui. Je vous écoute pour le numéro. Au fait, Hamid, tu cherches pas un stagiaire? Non. Je cherche un numéro de téléphone, s'il te plaît. Oui, c'est 274-105. 14? Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, madame. 74-105. Super, écoutez, merci Louis, beaucoup. Je vais à mon rendez-vous et je vous contacte un peu plus tard dans la soirée pour qu'on aille voir un petit verre. D'accord. Prenez soin de dans la soirée, promis. Passez une bonne soirée. Au revoir, Louis. Bonne soirée, les mecs. Au revoir, madame. Je suis un pot de fleurs. A plus, soit, ciao. Regarde, fallait dire, je serai ton Clark. Alors j'ai... Elle s'appelle Louis. Ouais, elle est journaliste en plus. Ah, d'accord, elle s'appelle Louis, croyant. Ouais. Attends, mais par contre, la révolteur, elle est... Ah, putain, attends, je vais appeler. Attends. Ils ont volé la révolteur? Non, par pitié. Place des cubes, y'a le mec dans le coffre. On arrive, croyant. What? C'est quoi de ces rendez-vous, croyant? Place des cubes, le mec dans le coffre. Tu la vois, la révolteur? Tu la vois? Ouais, je m'attends, mais c'est mon Eli qui ça. Mais la révolteur, elle est où? Mais frère, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Mais attends, mais c'est ma voiture, ça, de base, déjà! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Kefta, reste naturel, naturel. Excusez-moi. Oui? C'est vous qui conduisez la voiture derrière, là, juste avant, il y a deux oui, secondes? Oui, oui, c'était moi. Attention sur la vitesse, s'il vous plaît, la prochaine fois. Ah oui, en fait, on cherche notre voiture révolteur qui a été volée. Parce que celle-là, elle a été volée aussi, celle-là. En fait, on est venu, et je viens de récupérer mon véhicule, là, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait, là. Qui l'a volé? Ouais, je sais pas qui l'a volé. Je comprends pas, c'est votre révolteur ou c'est celui-là votre véhicule? Oui. Toutes les voitures roses, c'est mes véhicules. Et en fait, on m'a volé ma révolteur et je suis tombé sur celle-là par hasard sur la LI sur le trottoir alors que c'est la mienne aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a deux minutes, je pensais qu'elle avait une conduite bizarre la voiture là. Ouais, exactement, ouais. Non, mais c'est une ville de fou, il y a trop de brigands. Mais désolé en tout cas pour la vitesse. Pas de soucis, monsieur, bonne soirée. Merci également, au revoir. Évitez, privilégiez la loi, monsieur. Oui, désolé, monsieur, il n'y a pas de soucis. On va clairement privilégier la prise d'otage. Ouais, on tue, on est dans le. Dans la ligue, on amène parking rouge. Vas-y, tout en haut, classique, personne connaît. Classique, tout en haut du parking rouge. Tout en haut, c'est très discret. C'est inédit. Je suis un branleur, non. Y'a mépris. T'es surtout un en soirée, ben. C'est lui. Espèce de soirée. Y'a mépris. Y'a mépris. Y'a mépris, ça va alors. Ambassadeur du Congo. Mais il s'est passé quoi, monsieur, alors? En fait, je vous explique. Moi, homme du peuple. Pourquoi tu voles là? Attends! Putain, oh, là, j'ai envie de les défoncer là! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me Parce que c'est notre voiture! Non, attends, c'est notre voiture!
Attends, qui parle? Je vais casser sa mère. Vas-y, parle, dépends-toi. En fait, je t'explique. Oh, je suis énervé là. Rocking peace, peace cool. Explique, parle. Ah bah, laisse-moi expliquer. Oh, peace, peace, je peux pas le dire deux fois, d'accord? Peace. Ok, j'ai pissé. Donc, je vous explique. Donc, moi. C'est lui qui m'a dit qu'il l'avait volé. Grand branleur que je suis, je vais au 24-7. Sur quoi je tombe? Une révoltaire, je fais waouh, je la regarde, c'est un beau véhicule ça. Comme j'ai dit, on vit dans un pays où il y a des millions de voitures, des millions de dollars. Et il y a des gens, ils échappent des révoltaires ouvertes, pas fermées, comme ça. Ça, c'est des voitures données pour le peuple. Donc moi, je me sers. Tout simplement. Attends, mais moi, juste une question. Comment tu savais qu'il était ouvert? T'as essayé de le voler. On est d'accord. Bah, je l'ai déclenché. Bon, bah voilà. Voilà. Ah, mais c'est pas fermé. T'étais pas la police, toi? Ouais. Sérieux? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais trop un bon flic pour être flic en fait. Ah ouais, je vois. T'étais surqualifié quoi. Non, parce que je vous jure que. En fait, je voulais pas assez à un moment. J'ai fait 3 heures par semaine. Ils m'ont déjà dit, casse-toi. Je fais, mais ça sert à rien de venir faire 5 heures pour se poursuivre. Moi, je viens, je fais mon taf et vas-y, fin. Et là, tu fais quoi du coup? Ouais, je me touche les couilles. Ah ouais? Et tu fais comment pour payer le loyer, pour manger et tout? Bah, je sais pas. Allez, dis, non, mais attends, je fais rien. T'as rien! Je fais cuire des pigeons. Menteur! J'ai fait cuire des pigeons! J'ai créé un livre. Ah ouais, sur quoi? Sur la méthode Walsh, parce que je m'appelle Brian Walsh, ma méthode. Comment devenir le mal alpha suprême? Le prédateur ultime. Roya, je te rappelle, tu fais cuire des pigeons, Roya. Ouais, tu peux le faire, toi. T'as cette compétence. Roya, le pigeon, c'est fort, à ce qui paraît. Faut pas l'abuser, hein. Mais est-ce que toi t'as 50 points de compétence en cuisine? Non, je ne pense pas, moi. T'as cru que j'étais un Pokémon, Roya, pour avoir des points, ou comment ça se passe? Ouais, mais parce que tu es un pauvre garçon. Faut s'entraîner. Non, mais toi, tu dois aller voir un asile psychiatrique, c'est pas possible, faut te soigner, Roya. Je frappe des arbres dans la forêt. Écoute-moi bien, poudre de perlimpinpin. Tu m'écoutes bien, ok? Oui. Apparemment, je vois que t'as réussi à niquer une voiture dans notre super révolteur qui coûte à peu près 105 000 $. J'ai niqué quoi? 220 000. La portière. Écoute-moi bien, on va te laisser 24 heures pour nous trouver 10 000 $, t'as compris? Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a votre... Y'a pas de problème, y'a que des solutions, Roya! Bah la solution, c'est quoi? Moi, j'ai la solution. Vas-y. C'est que y a votre fils là, Franck, ou je sais pas comment il s'appelle, qui est venu, c'est lui qui a cabossé la voiture, en France de faire des dérapages, je sais pas quoi. On veut pas savoir, nous, tout ce qu'on veut savoir. Y'a pas de problème, y'a pas de soucis. C'est toi qu'on a trouvé avec la voiture, tu comprends? Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, t'as allé 24 heures pour retrouver 10 000 $, t'as compris? Tu veux que je les sorte d'où les 10 000? Je t'en plus d'autres bénéfices de 10 000, j'avais oublié d'en parler. T'es flic, non? T'as gardé une arme, tu fais quelque chose, tu sais comment ça fonctionne le système de sécurité dans les banques, tout ça. Voilà. Tu te démerdes. Attends. Depuis tout à l'heure, il parle, il te reste 20 heures. T'as pas un plan sous au pire, direct? Ouais, nous on avait 4 tuyaux, hein. Mais regarde, mais c'est à toi de le trouver, le plan sous. Nous on a un plan de secours. Personne a un plan saut, regarde, si tu veux sauter là-bas, y'a pas de soucis. Un plan saut? Ouais. Voilà. Un plan saut. Mais j'ai pas de parachute, sa mère. Laisse tomber, vas-y. Vas-y, bah. Y'a un contact là, un numéro de téléphone. Tu te démerdes, Roya! Mais t'as volé la voiture comme un grand, tu vas nous rembourser comme un grand! Je l'ai pas volé, hein. C'est vous, vous pensez que je l'ai volé? Ouais, c'est ça. J'ai roulé avec. T'as clairement dit, y'avait la révolteur devant, c'est la hesse, je l'ai prise. Donc, ouais, je l'ai volé. Pourquoi pas fermé? Excusez-nous, monsieur, d'avoir laissé notre voiture. Vous avez raison de la voler, pardon, excusez-nous. On vous ramènera 10 000 $ demain. Je vais essayer. Non, mais je vais vous trouver vos 10 000. Je sais pas comment je vais faire, mais. Mais t'inquiète, t'es un grand garçon, Roya. C'est quoi ton numéro? C'est quoi ton numéro? Prends en photo sa carte d'identité déjà, Roya. Je l'ai pas, mais je m'appelle Brian Walsh. C'est que tu traînes pourquoi ta mère est dans les problèmes? Bah, je sais pas. Pour les mamans. Moi, tu veux dire, imagine. Ça, c'est un bon policier. Tu te fais contrôler par les flics. Tu sais, imagine, y'a un mec qui m'agresse, je mords le cou, je lui arrache la tête. Bizarre, lui. Je fais tomber ma carte d'identité. T'étais un tireur en prison ou quoi? On sait jamais, il faut être prêt en toute situation, il faut mort. Ouais, tu lui mords, de toute façon, ils ont ton ADN, hein, Bibi, t'as pas besoin de carte d'identité. Regarde, t'es un ancien policier.
dernier ban lecteur là, je sais pas. Voilà, lui, c'est ouais, il a tourné dans son frère. J'ai vu ma mort. Il y a un mec qui est venu du futur, il m'a raconté mon futur. Moi, je pense qu'on va te laisser avec le cas. Regarde. Prenez son numéro déjà. Note mon numéro. Retourne-toi. Est-ce que tu m'as vu celle-là dans ta boule de cristal? Voilà! Tu l'as vu celle-là dans ta boule de cristal? Tu l'as vu celle-là? Dans ta boule de cristal, tu l'avais vu ou pas? En plus, c'est la première fois qu'on fait ça en plein air au parking rouge, je crois. C'est en exclusivité, hein. T'es privilégié. T'as compris ou pas? Est-ce que dans ta boule de cristal, tu l'avais vu? Putain, là c'est bien là. Là c'est bien. Là c'est gangster. Ça claque. Là c'est vrai. Ça flingue. Ah ouais, franchement, ça t'es gosse. Là t'es beau gosse. Ça glisse. Ah ouais, là vraiment. Ah ouais, là c'est bien. Là c'est vraiment. Il y a quelqu'un qui a un miroir là. Il y a les rétro. Allez, vous faire enculer, je ressemble à une couille. Bah ouais. Avant tu ressemblais à une bite, Roya. C'est bien là. On a fait la totale. Je vais faire comment là, putain? Bon bah du coup, bon courage pour trouver l'argent. Soit tu trouves l'argent, soit on te retrouve, croyant. Les informations sur les rouges, j'ai tout et j'ai fait le plan d'attaque. Monte dans le coffre. Ouais, j'en avais beaucoup. C'est sûr. Bon les gars, j'appelle Antonio ou pas? Vas-y, fais la transaction. Attends les gars, je suis avec un mec là, il a des informations sur les rouges. Je te rappelle le mec qu'on avait mandaté là? Ah oui, je lui avais dit de le. Il est dans mon coffre. Ouais, mais je lui avais dit de soulever les rouges justement. Ah ok, t'as soulevé les rouges ou pas? Il a préparé un plan pour les soulever, regarde. Le mec dans le coffre. Quoi? T'as soulevé les rouges ou pas? Bah non. Ah merde, parce que Kefta t'avait demandé de le faire apparemment. Et t'as un plan pour les soulever? Non, en fait j'ai fait mon DM et il fallait qu'il fasse l'oral avec lui. Kefta, t'as fait son DM avec le gars? Ouais, en fait il m'a demandé un truc là. Ah mais t'as cru que t'étais un prof d'université, enfoiré, ou comment ça se passe? Regarde, le banditisme, faut que ça soit bien écarlate. Viens parking central. Vas-y, je vais t'expliquer. À l'arrière. Vas-y, discret. On est tous derrière, discret. Vas-y, mets-toi contre le mur, s'il te plaît. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, à vous dire, je vous explique où ils habitent exactement. Ils habitent juste en dessous du tequila là. D'accord, ça on le savait. Ok, alors ils traînent avec exactement. Attends. Vas-y. T'as dit quoi? Ah putain, attends, mes yeux. Vas-y. Du coup, je disais. Ouvre ta gueule. Du coup, je disais, ils ont exactement 3 primos, un 4x4, et je sais pas si l'autre véhicule il était volé ou pas. J'ai des photos et tout. Ok. Tout ce qu'il faut. Super. Et. Il y a le monsieur avec les lunettes là qui m'a dit ouais, pense à une stratégie d'attaque. Donc, stratégie moi, d'attaque. Je sais pas, il m'a dit qu'il fallait les soulever, du coup j'ai trouvé une idée. Juste à côté de leur quartier, il se trouve une grue où on peut sauter au parachute et atterrir directement sur eux. Croyant, t'as cru qu'on était des parates à la Légion étrangère ou comment ça se passe? Galé qu'il y a une grue avec des parachutes, mais. Il va faire le plan de sauvage. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Du coup, on a tiré sur eux. On dit bouge plus. Il y a un véhicule qui vient et ils montent tous dedans et après. Pourquoi on va pas aller chercher directement un véhicule en fait? Voilà, parce le parachute. Imagine, ils nous voient dans les airs, ils vont nous tirer tous dans les airs. Mais justement, la dernière fois, les gars, c'est un professionnel. T'es un ancien parrain, croyant. T'es un mec du deuxième rep, t'as la Légion d'honneur, croyant. Comment ça se passe? Non, du coup, j'ai t'as fait. T'as un mec du GGN. J'ai envoyé un cobaye, il a sauté, il a atterri pile chez eux sans faire exprès, et ils ont rien fait. Ils ont dit, ouais, la prochaine fois, vous tirez dessus. Donc, je sais pas s'il marche toujours. Donc, là, t'es prêt à exécuter le plan là ou pas? Là, eux, non? Là, tout de suite. Tout de suite là. Là, on te donne un parachute. Oh non, rendez-vous là! Apprends, monsieur. On est occupé! T'es prêt ou pas à exécuter le plan? Ouais, mais là, on est deux, ils sont armés et tout. Bah, mais alors, tu m'as dit à deux. Tu vas avec ta couille et ton couteau, Roya? Allez, tu y vas, nous on va spectate. Allez, voilà. C'est parti. Allez, c'est parti, Roya. Mais non? Si, si. Go, c'est parti. C'est parti. Non, y'a pas de. Quoi, non? Quoi, non? C'est mort, maintenant. Je te donne un parachute si tu veux. Ouais. Inch'Allah, il oublie de l'équiper. Ouais, ça va, tranquille. Viens parking tout de suite, on doit soulever des rouges. Mission parachute. Non, parking central. Mission. Ouais, on a une mission de fou. Hein. La personne en question qui a soulevé le monsieur qui est par terre là, je le connais très bien. On avait fait un truc ensemble. D'accord. Parce que moi, je m'en souviens, il m'a écrasé alors que j'étais handicapé, monsieur. On foutait vous là. Ah ouais. Il s'appelle comment ton pote Tipac.
T-Pack. Ah, exactement, T-Pack, c'est vrai. C'est vrai. C'est le rouge T-Pack, c'est un rouge, c'est un rouge. En gros, là, j'y vais à l'improviste, c'est ça, du coup. Mais non, tout est calculé, Roya. Tu nous as dit que le plan était carré, Roya. Ah oui. C'est vrai, il est dans ta tête, faut assumer. T'inquiète, Roya, ça va bien se passer. Putain, j'ai plus mon véhicule, j'ai plus rien, sale truc, à part moi. T'inquiète, t'es confiance en toi, non? T'inquiète, regarde, t'es en claquette, t'as bien en rouge, regarde, tout peut bien se passer quand t'es habillé comme ça. C'est vrai. Ouais. C'est parfait. Ouais. Ça va, messieurs. Ça va. C'est bien, tu m'as l'air déterminé comme mec, j'aime bien. Bien sûr, toujours. Bah, du coup, y'a ton pote qui va t'expliquer le plan de ce soir, la mission. Ok, d'accord. Tu vois, on est parti la dernière fois sur la grue, là, où on a pris les photos et tout. Quel plan? Bah, on doit sauver ces mecs là. D'accord. Voilà. C'est bon? Vas-y, c'est chaud. Voilà! C'est ça que j'ai envie d'entendre! C'est ça que j'ai envie d'entendre! Il est trop chaud, on dirait. Mais voilà, il est chaud, j'aime bien ça! Bah, quoi, c'est quoi le problème? Bah, voilà, mais je sais pas, ton pote, il est fait bruit, mais il est pas stable sur ses appuis. J'ai fait mon petit joint du soir, bonsoir, et voilà. Voilà, tranquille, voilà. Parfait, bah, on vous accompagne du coup, c'est bon pour toi? Ouais, bah, on va les armer. Ouais, à la rigueur, oui. Ouais, ça peut être pas mal. Bête. Ouais, vous avez des armes? Ouais, on a une arme. Ok, bah, go les la chercher alors. Allez, c'est parti. Let's go. Prends quel véhicule, on prend la Revolter? Ouais, prenez la Revolter, on vous attend. Est-ce que j'appelle les mecs des raids et je lui dis, les mecs, ils arrivent? Ouais, appelle-les. Attends, on est là. Je suis vraiment bâtard. Appelle-les, dis-leur, il y a deux mecs, un mec habillé en rouge et un autre habillé en gris, ils vont venir en parachute, ils vont venir les soulever, frère. Allo, ouais, Red, ça va mon pote? Moi, je t'ai dit quoi? Ouais, gars, ils arrivent à votre quartier, les mecs là. Pas maintenant. Ah, mais là, ils vont pas tarder à arriver. Hein. Ils vont s'armer et puis après, ils vont arriver. Ah, mais moi, c'est eux, là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit: on va les soulever, ils sont dans la merde. Ils sont armés. Faites attention, ils sont armés tous les mecs. Ah non, il arrive à ton quartier, Royan. Vas-y, à plus tard, mon pote. Il a dit quoi? Il a dit: vas-y, on les attend. Vas-y, appelle-le, comme ça, on se place, nous, etc. Ouais, bah vas-y, nous on va se placer vers leur quartier, on attend votre top, ok? Ah non, tranquille, on veut vous voir à l'action, en fait le but c'est de voir comment vous réagissez dans la difficulté, ok? Vas-y, bon courage mon pote, on est avec toi. Vas-y, on est ensemble. On est ensemble, hein. C'est où leur quartier de merde déjà là? Putain, c'était la grue là, je sais pas, vas-y, porte tout droit. Eux ils vont monter sur la grue qui est là, ils vont atterrir dans leur quartier. Ah oui, d'accord. En fait, faudrait se mettre leur quartier, il est là. Oh oui, il est là. Là, l'idée c'est qu'ils vont venir en parachute et ils vont les soulever. Mais viens, on se met là, regarde ici, là, en haut, si on peut monter là. Vas-y. On se garde là, regarde. Ah donc là, discret là. Ah ouais. Tu t'assois là, t'es pas grillé là, frère. Ils vont venir en parachute. Ils vont venir d'où en plus, c'est fou. Hein. Mais de la gauche, ils vont venir de la gauche. Ça va être catastrophique, ils vont se faire soulever. Moi je pense munitions parachute, voilà, je pense que c'est ça malheureusement. Go les gars, go. Ah, ils sont là, ils sont en bas. Tu m'entends? On va faire le truc en parachute. Ouais, dis-lui en parachute, dis-lui à 10 000 $ pour le parachute, vas-y. 10 000 $ en parachute, 10 000 $, hein, c'est payé. Donc recule maintenant, voilà. Ah. T'as vu l'argent? Ah, il a soif d'argent. Les gars, 10 000 $ en parachute. Il a très très soif. Ça va. Ouais, on dirait on va assister à une avant-première, quoi, de Conjuring 4. Allo? Oh, t'as vu ou pas le 3? On dirait c'est le 3, t'as la violence, tu vois. C'est une conférence. Mais là, en mode gars, ils sont montés tout en haut, je crois, là. Vas-y. Ah ouais? Bismillah. Bismillah avant de sauter. 10 000 $, on a dit, 10 000 $. Vas-y, on va aller devant, saute et nous on y va. Ça marche. Il manque confiance, mais c'est pas ce qui va se passer, on est d'accord. Putain, j'ai même pas cette angle pour ouvrir le parachute. C'est la même gauche, gauche. Pour le monter dans la voiture. Cinéma là. Ah, je pense qu'il nous a vu là, il nous regarde. Je crois pas, il va regarder la même fois. Il regarde le gros cul passer, non, il regarde le gros cul passer, c'est tout. Mais non, mais les gars, les rouges, ils savent qu'ils viennent. De tout à l'heure, je suis avec mon téléphone. Il nous fait un doigt d'erreur. Un fiasco.
beaucoup les boys. Ouais, ça va, il est trop bien. Les gars, il y a des mecs qui ont parachute dans votre quartier pour vous soulever. Apparemment, il y en a un, il est sur la route là. Les gars, ils se sont explosés tous les deux. Vous les avez vus en parachute là? Non, non, pas du tout. Ah ouais, t'as raté quelque chose, frère. Ah, t'as raté quelque chose, frère. Première loge du coup. Vous voyez pas, un cadavre là-bas, une omelette? Vous voyez pas le cadavre au milieu de la route sur la droite de la route? C'est où? Moi j'en vois un, mais le deuxième il est où? Il est là-bas, en bas dans les poubelles. Du coup, je comprends pas, c'est quoi? C'est une mission commando en fait? C'est parce qu'on fait. J'en sais rien, ils nous ont mis un spectacle. Mettez-vous ici et vous allez apprécier le spectacle, on s'est mis ici pour la regarder. Hein. Vous faites quoi ici vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes invité aussi? Bah écoute, on m'a dit qu'il y avait deux personnes qui voulaient me soulever, c'est pour ça que. On retourne au quartier, faut t'extasier. Ah bah du coup, je crois que la mission est annulée. Ah bah je crois que c'est annulé là, les gars. Oh, mais sur Charlie Delta Commando, c'est terminé. Ouais. Faut qu'ils innovent. Ouais. Innove, hein. Bah, bon, les gars, on a fini notre café, nous on y va? Ouais, du coup. Ouais, voilà. On a le rendez-vous. Bon, vas-y, les gars. Mais ce qui. Et courage, hein. Il est où le deuxième? Je sais pas, il est où le deuxième, frère. Ouais, il est vers là-bas, là. C'est quoi, c'est ça? Les gars, t'es un cadavre devant. Je suis là, je suis là. Ok. Ah ouais, monsieur, hein. Ta grosse tête, là, foiré. Ouais, vous voulez qu'on prenne notre service un petit peu, médecin? Bah non, on a clairement besoin d'un médecin, hein, vraiment. Ah ouais? Ah. La ceinture, y en a qui connaissent pas. Ah. Qui? Il s'est passé quoi? C'est qui il? La place, la ceinture. Ah Gandam. C'était sûr. Ah, vas-y, soulevez-la, on va à l'hôpital. Dur de la soulever, hein. Arrête-toi, bordel. Viens, venez, on est de la police. Attends, je vais dire la police. Vas-y, fonce. En plus, je l'ai mis 54, lui. Gousse. Voilà, super. What? Adam 44, on se prend l'individu en poursuite d'une voiture qui poursuivit. Droite. Go. La police, ils savent pas conduire. Gousse. Arrêtez-le. Go. Fonce. Ouais, je vais encore y en faire la même ou quoi? Voilà, super, pré-shoot. L'autre côté, ça n'a pas été. C'est toi le cafard. J'ai fait bidingue, hein. J'ai fait. Putain, voulez-vous aider? Ah bah là, vous m'aidez pas du tout, monsieur. Moi, je bah ouais, sortir, bah ouais, je voulais vous aider. Moi, je voulais le rafale, c'est moi. C'est une manière d'emmerder les gens. Purée. Vous avez vous avez la plaque ou pas? Bah non, on n'a pas la plaque. 21, t'as le mec toi ou pas? Attendez, je vais vous aider. Je vais monter avec lui. Comment ça, vous allez monter? Bah, y'a un mec qui m'aide là. Y'a un mec qui monte avec moi. Je fais des calls. Pieds nus. Je suis au parking là, vers la future. Non, moi je suis en voiture, je vous suis. Hein, s'il y a une intervention, c'est quoi votre matricule, messieurs? Matricule 54. Ah, je serai votre ange gardien, c'est bon. Ah, ok, bah ça va. S'il y a des foufous, je les percute. Voilà, lui il pite et moi je donne un call. Vas-y. Ok, bah attendez, je récupère ma collègue. Ouh, avec plaisir. Bonjour. Tobias, viens avec moi. Vas-y. Laisse la dame. Pardon, madame. Madame, pas excusez-moi. Monsieur. Madame, oui. Vous avez fait tomber un truc. Quoi? Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Bien joué, mais non, monsieur. Pas mal. Elle était fluide, celle-là. Elle était fluide. Ouais, c'est n'importe quoi, madame. Franchement, elle est grave. Bah là, nous, on est à l'hôpital, hein, en vérité, puis on est tombé sur vous, quoi. Et puis, ouais, voilà. Voilà, je voulais un petit peu d'action, d'adrénaline, quoi. Et comme ça, non, je gardais, mais elle a voulu vous aider. Tu veux un peu d'adrénaline, mon garçon? Bien sûr. Bah alors vas-y là, je te laisse 5 minutes et tu vas voir si tu me sèmes pas au plus de 5 minutes, tu me donnes quoi? Je te donne, je sais pas, tu veux quoi? T'as besoin de quoi dans ta vie? Un petit pourboire, ça me ferait pas de mal, hein, je pense. Vas-y, un pourboire, si tu veux. Non, fais pas ça, on va se faire engueuler. Bah tiens, t'inquiète pas. C'est parti, je l'annonce pas? On va se faire engueuler ou on va se faire inquiéter? Je pense qu'il y a les deux. On partage le butin, t'inquiète. En raquette de combien? Ah, le MF! Ah, il m'a fait la tête! C'était 5 secondes ou 5 minutes? C'était 5 secondes, hein. 5,2, j'ai compté. Hein. C'est une manière d'emmerder les gens encore une fois. On va à l'hôpital?
Ouais, vas-y, go. Ou sinon, bijouterie. Non, ils sont à l'hôpital d'abord pour Jas. Bah, ah oui, c'est vrai, vas-y, go. Ah! Ah, il a rien revu. Ah, crazy man. Excellent, crazy. Excellent, crazy. On va prendre ça, vraiment. Ça a l'air crazy, hein, c'est trop bien. Ouais, ah, j'aime trop bien. Je viens d'apprendre. Mon Atom skin! Oh non! Oh non! Oh non! Mais il s'est mangé le barrière, le con! Oh non! Oh non! Cache-toi! Non mais là, on a une urgence! Ah ok, ok! Bah vas-y, on se retrouve, alors! On a une urgence! Ça marche, pas de soucis! C'est totalement faux! Oui, non mais oui! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette équipe? Roya, Tyler, il veut les 10 000, sauve-toi. Quoi? Il veut les 10 000 quoi? Il a pas réussi, frère. Il a pas 10 000. Ouais, c'est vrai en plus. Bah, bien sûr, il a rien fait, frère. Il a juste sauté, frère. Mais en fait, quand j'ai dit si t'auras pas les 10 000, j'ai oublié de raccrocher le téléphone, en fait. Ah, il est où, là? Il est à l'hôpital. Ah, bah tant pis. Bah déjà, il sort du couloir et après on verra. Qu'il a fait une sacrée chute, hein, le bougre. Tiens, Hamid. Hamid. Ils ont pas la commande, eux? Mais je vais leur demander, il est où, Amar? Voilà. Voilà, Hamid, c'est ça qu'on aime, Hamid. Coup de pression. Bonsoir. Ça va et toi? Ça va. Là, vous savez à qui vous avez affaire, là? Là. Bah, Hamid, oui, je te vois. Ouais, exactement. Il est où, Papa Amar? Papa Amar, il est pas là. Qui est en dessous du papa Amar? Ricky et Brahms. Ok, écoutez mon bien. J'ai passé commande à papa Amar. Mm-hmm. J'aimerais savoir où est ma commande. Il y a la commande là ou pas? Ouais, il y a la commande. Ouais, voilà. Ah, ça, c'est bien ça. Dis, Diggle. J'aime beaucoup ce que tu dis. T'as l'argent ou pas, Hamid? Faut qu'on aille le prendre dans le coffre. Allez, go. C'est combien? 37 500 l'unité, donc 375. Waouh! Pourquoi t'en as pris 10, espèce de maboule? Parce qu'on perd tous les jours, on perd des armes. Pff, oh la vache. Tous les jours on perd... Moi je perds pas d'armes. Ah, si, tous les jours on perd des armes. Ah vous, tous parce les jours, vous êtes incompétents, ouais c'est vrai. C'est trop con que incompétent. Vous perdez les voitures et les armes. Toujours la ceinture d'une personne. Putain, mais wesh! Non, par pitié, par... C'est encore la meuf? Non. Oh frère, elle abuse. C'est un poids. C'est trop. Viens arcade. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé en plus, hein. Hamid. Appelle la meuf et dis-lui de venir ici, rendez-vous galant, Roya, tu lui as proposé une bière. Dis-lui, viens, c'est ton bar, Roya. Attends, si. Vous voulez pas de la main, on se met en costard. Mais oui, on fait mais oui, des bah, c'était oui, ça, oui, Roya, le plan, wesh. Oh, merde alors. T'es mal. Chauffe. Oh, astaghfirullah, Jas, on dirait la sorte d'un dojo, frère. Fais la dame de ménage. Voilà, on dirait moitié Yakuza, moitié Fatoumata, Roya. Comme ça, c'est bien, c'est en mode palais de justice, là. Elle répond pas. Ah. Wow. Ah! Oh la friendzone! T'es sûr que c'est son vrai numéro? Je sais pas. Peut-être. Appelle le mec du Weasel là, Ou appelle le Weasel direct, hein, si tu tombes sur elle! Je vais appeler le Weasel direct. Monsieur, allô? Ouais, il s'appelle Loïs, c'est Loïs. Alors, oui, le téléphone il a sonné ou pas, monsieur? Pas bien. Écoute, t'es où là? Toi, t'es où? À l'hôpital! Bouge pas, j'arrive. Vas-y, ramène-la. Ouais, go hôpital, j'arrive. Vas-y, va. Bon, les gars, comme d'habitude, hein. Soirée classe, soirée jogging, soirée élégante, de la fugacité, de la rapidité. Ouais. Mais pourquoi t'as un masque à chaque fois avec des lunettes, Roya, de Deadpool? Soirée chicha. Mais montre-nous ton beau visage, Roya, enlève ton masque Covid là. J'enlève. Voilà, ça fait une semaine, j'ai pas vu son visage. Je sais même pas si c'est lui en vérité. C'est pas lui. Ah, enlève ton bonnet aussi, Roya. Non, j'ai ça, regarde. Mais t'es beau. Voilà. Attends, les chaussures. Jas, on dirait les tueuses engagées par Kadhafi à l'époque pour le protéger. Voilà, les milices militaires, Roya. Oh, tu fais bien là, je suis. Attends, Emma, elle a des mollets rectangulaires, Roya. Les gars, il y a un micro, les gars, si vous voulez chanter ou quoi, il y a un micro là-bas. Vas-y, il fonctionne. Attends, je vais faire un banger. Ça veut dire en fait, toute la pièce t'entend, Roya.
Non, oui, il faut. Non, un truc romantique, un truc romantique. Un truc romantique. Quoi? Un truc romantique? Romantique. Vas-y, vas-y. Ouais, Zerma, tu chantes un truc romantique comme ça, lui, il est bien. Un truc romantique? Ouais, romantique. Un truc comme Aisha, comme Titanic. Ouais, je suis avec elle là. Ok, dis-lui, t'as recruté les deux meilleurs chanteurs de Los Santos, Roya. Ok. Juste pour elle. T'arrives ou pas? J'ai fini avec elle. Hein? Comment ça, t'as fini avec elle? Je l'ai soigné. Ah, ouais, okay. T'as fait un truc de ouf, j'ai eu peur. Mais ramène-la ici, soigne-la, frère. Oui, ah, ouais, bah. Elle a refusé. Quoi? Elle a refusé quoi? Elle a prendre les cheveux, Braque-la. Comment ça, elle a refusé, Roya? Ok. Braque-la, elle est malade, elle. Dis-lui, t'as un couteau sous ta jupe là, et je sais pas quoi, tu la piques avec, tu la ramènes avec toi. Comment ça, elle a refusé, elle est malade. Elle est chelou ta métaphore, Roya. On parle des trucs sympas, quoi. C'est bizarre la métaphore des nazes. Ouais, mais en fait, Le patron, le patron a refusé. Mais le patron de quoi, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu l'enlèves, Roya. Mais on s'en bat les couilles qu'il refuse, Roya. On s'en fout, on est des gangsters. Soulève-le, Roya. T'es devenu une victime, Roya. Oh, il me zèfle, des fois. Il demande l'autorisation pour enlever le meuble. Ouais, mais là, Roya, on est à l'hôpital, là, on est en parking de l'hôpital. Voilà, défonce-la, Roya. Ouais, peut-être pas quand même. On arrive, t'inquiète, vas-y tout de suite. Ça y est, coupe, Roya, viens, on bouge. Ouais, il reste 10 piges. Faire un single là, on est tout seul là. C'est quoi là? Ça passe crème. Attends, t'es fou. Voilà, j'étais à fond. Hamid, voilà, t'es clairement pas l'homme de la situation, t'as tout foutu en l'air. Non, impossible. Roya, non, c'est vraiment. Ouais, ouais, mais toi, t'as toujours, c'est toujours. Vas-y, bref, de toute façon, on va la soulever, on va la soulever. Y'a un marqué avec Bob ce soir, on va la remplacer. Vas-y, c'est où? Vas-y, on te suit. Bah, non, franchement, voilà, je trouve que c'est mieux même quand il n'y a pas d'instru. Mais c'est mieux, on entend mieux les paroles et tout.
vois, vaut mieux pas les entendre. Salut le mec. Salut, salut mec. Oh quoi? T'envoies toi. Putain, la forme les gars, tranquille. Ça va? Ouais ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va, ça va, on est là. Il fait beau. Il fait beau. Il fait surtout chaud. Il fait beau. Mais il fait toujours beau. Hamid, la manette. Ah oui, désolé. Ça va et toi, Amar? Ça fait longtemps. Les artistes. Ça va, on a sorti récemment un dernier son de GDK là, Naufragé. J'ai écouté celui-là de LB aussi. Tiens aussi, la. La petite mallette avec. Les armes. Encore une fois, je t'arrache la langue, c'est par le coup. De nouveau, patron de tabac, tiens. Pour une fois, une cigarette, ça fait plaisir. Ah ouais, mais c'est parce que je fais des pauses de patron de tabattage. Ah ouais, je vois ça. Allez, ça marche lourd, merci les gars. Là, on est en pleine guerre, je te cache pas que les stocks c'est compliqué. Avec qui vous êtes en guerre? Madrazo. Les Madrazo. Ah, c'est vous qui les avez plombés! Psato! Eh, j'ai plombé, je croyais à vous, moi. C'est ce qu'il faut en vrai. Ils ont cru qu'on était passif et qu'on était pas là, sauf l'image légale qu'on avait. Ça marche! Bah vas-y les gars, force à vous et merci pour le déplacement. Vous voulez que je fasse la méthamphétamine ou pas pour vous? Non, ça va. La méthamphétamine? Mais t'as cru que t'étais Waltaro et Troy ou quoi? Mais ouais, mais je te promets! En plus, tout à l'heure j'ai fait un escape game sur ça et j'ai appris à faire comment faire la méthamphétamine. Ok. Vas-y les gars, bonne soirée, merci force! Bonne soirée, les gars quoi. Big up les gars, big up! Vas-y, big up! Ok. La mandarina. Ne faites pas comme moi les gars. Aïe. Contrôle, nous, ça va. Pour nous, ça va. C'est comment pour vous? Franchement, ça va. On a atterri sur les pattes. On a bien atterri. On a atterri presque les moitiés degrés. Ta voiture a l'air bien légère, mon ami. Ah bah oui, bah en même temps, vous avez un 4x4. Fais bijouterie ou quoi? Bah après moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les cartes et tout donc Vas-y va gonfler quoi alors. Je valide le virage. Le bénisse, la porte. Ouh, mauvaise non. Éviter. On va éviter. Kenneth, j'attire un mec dehors et tu le braques, ok? Tu dis viens, j'ai envie de te parler d'un truc et tout, un business vas-y, à te proposer. Hey, c'est un entrepreneur, la Bitcoin. Bitcoin. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Lozeval, venez, j'ai un business à vous proposer de Bitcoin. Venez. C'est concernant le Bitcoin, en fait, regardez. Donc, vous voyez la courbe du Bitcoin là-bas? Vous allez monter dans le coffre avec vos moyens de communication, s'il vous plaît. Je vous break avec mon doigt, avant que je te le mette dans l'œil. D'accord? Donc, vous me donnez tous vos moyens de communication, téléphone, smartphone, radio, arme blanche, arme noire. Tu prends les MP3 ou pas? Ah oui. MP3. Arme blanche, arme noire. Je vais où, dans le coffre? Oui, dans le coffre, sinon je te mets mon doigt dans l'œil. Tu m'as mis un petit poussin. Oui. Allez-y. Là, il est bien. Hey, comment ça, des business? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin. Ah, c'est le Bitcoin. Vous voulez faire le Bitcoin, vous aussi? Non. Je sais pas, tu mets un mec dans un coffre. Non, c'est pour le Bitcoin. Il va mourir là-dessus. Mais il va mourir. Ouais, c'est pour le Bitcoin. Merci. Non, ça va. Ah ouais, moi, si vous ratez votre chance, hein. Pour le Bitcoin. Les gars, on est un otage, il est tombé dans le piège. Je vais essayer de faire mon record. Le record, ouais. Ouais. C'est, le record est établi à combien actuellement là? Je sais pas du tout. Il date de 3 secondes en vrai. Ouais, je pense 3 secondes. On est pas loin. Je pense que c'est moi qui ai fait le record de la ville. Bah oui, de loin. Ah ouais? Oh, t'imagines? Le seul truc que je fais bien. Non, mais tu le fais bien. Tu le fais très bien même. Ok, c'est parti les mecs, j'ouvre. Salut Bilal. Chico, ma charge bonheur. Ça va quoi? Ça va et vous? Ouais, tranquille, ça raconte quoi? Ça va, tranquille. Non, dis pas ça, Bonhomme. Tu vois ça, il en reste. 17. Je voulais braquer encore. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je me balade. Les gars, vous avez braqué un mineur. Ah oui, c'est Bilal. Mais il a 17. Ce bruit, écoutez ce bruit. Mais on est dans la merde. Y'a une meuf. Jas, il y a 3 mecs, un chien et une meuf, et tu dis il y a une meuf. Il y a 2 meufs. Il y a 2 meufs. Jas, le petit il a 17 ans, wesh. Tu peux le calmer un peu parce qu'il pleure, il est en sanglots et tout.
Je crois que c'est sa mère ou quoi? Je lui ai donné des halles parce que tu connais avec les enfants, wesh, avec ta tête de taureau, wesh. Mais parce que les femmes, normalement, les femmes, elles sont hignines un petit peu par rapport aux hommes. Ah, mais t'as dit normalement, c'est ça le problème. Ouais, même si t'es anormal, fais comme ta mère. Elle te berçait un petit peu, non? Je vais te dire que, vas-y. Au pire, on leur dit à elles, elles ont l'air plus féminines quand même. Mais c'est pas question de féminine, c'est. Oh, bonjour madame, vous avez du halles ou pas? C'est la négociation. Salut Lina. C'est lui ton enfant, Lina? Non, c'est pas lui, mon enfant, lui c'est mon chien, il s'appelle Tchitchix. Ah ouais. Bonjour monsieur, les intimes l'appellent Aya. Twitwix. Moi je l'appelle Tchux. Non mais, il s'appelle Tchux, et les intimes l'appellent Aya. Aya, salut Aya. Oui. Waf. Ça va ou quoi, la forme? Waf. Eh, c'est dire que waf ou... bah c'est un chien monsieur. Ouais mais quand même, ouais, je fais lui les mises à jour un peu, Mskin. Bah oui. Fait des waf, des ouf. Il peut dire. Waf. Dites un prénom ou quelque chose. Il peut essayer de la boire. Anas le Maghrebi. Ah, vas-y. Anas waf. Astaghfirullah. Un peu rouillé. Ah ouais. T'es sûr que c'est un chien? C'est un chien robot ça. Moi aussi je vais à Pokémon pareil. Bah, du coup, on a deux otages. Dont un mineur de 17 ans. Quoi? Eh ouais, on en a rien à foutre. On a fait une mise à jour aussi. On en a rien à foutre. Mais est-ce qu'ils vont bien? Bah parce qu'on savait pas qu'elle a 17 ans en vrai. Ah, il roulait, à un moment donné, il roule. Ça veut dire qu'il roule sans permis du coup. C'est qui ce fou là? Ah oui, du coup, s'il roulait, oui. Merci de l'info. Lewis, on peut pas savoir. Mais même, il va bien? Ah ouais, il va bien de vous, il s'appelle Bilal et tout. S'il vous plaît, ramenez les otages auprès de la police. C'est deux femmes, c'est deux femmes et un chien. Et le chien il parle, croyez, le chien il parle, je répète, le chien parle. Minou. En train de me balancer. Viens, on va le tuer ton chien. Viens, Minou. Il y a deux meufs. Oh, Hamid il est en feu là. Pas là là. Ah, quoi? Hamid, ça balance le bas, je reconnais. Je reconnais ça. Avant. Ouais, c'est devenu un colis Amazon Prime le chien ou quoi? Non, oh, mais il est à moi là, vous me le volez. Non, je regarde madame, c'est bon. Non, c'est mon chien en fait. Tous les jours, redonnez, il faut choisir. Ben non, c'est mon chien, c'est le premier chien que j'ai toujours eu. C'est bon pour vous, on vous laisse les otages, vous êtes prêts? Oui, merci. Allez, c'est parti. Il y en a un, il va pas demander d'arriver. Mais. C'est moi, je l'ai fait. Ok, je te donne les codes. Comment ça te doit, MF? Bonne chance. Tu as gagné, GG. Yes! C'est bon, c'est réglé? C'est bon, c'est réglé. Mais wesh, il est où? Mais quoi? Non, reviens. Mais non, mais attends, j'ai fait une accélération, croyant! Non, mais non. Mais tu sais, premier virage, tu l'as perdu, hein? Mais quoi? Non. Les gars, j'ai battu mon record, j'ai fait une accélération, il n'y avait plus de flic! Ouais, c'est abusé. Une mini seconde, hein? Oula! Non, il a eu un souci, c'est pas possible. Non, je pense qu'il a eu un souci. J'espère, hein, parce que c'est. Ah, il y avait 8 voitures devant le truc et là on en a qu'une derrière nous. Non, mais j'en ai zéro, frère! Ah, ceux-là! Faites un autre round! Ça va ou quoi? Ça va et toi, Roya? Mais ils sont la police! Ils sont la police! Mais j'avais une voiture derrière moi, elle était. Je sais pas! Mais ceux-là! Gaffe, les ils sont vos collègues là, prof, vous êtes tout seul! Et deux véhicules là, les filles. C'est le talent qui parle à Sahbi! On les attend. On veut l'hélicoptère, c'est un. On fait l'hélicoptère, sinon on fait grève. Je suis désolé, mon conducteur il a eu un souci, d'accord. Ah oui, je me disais, oui d'accord. Ouais. Du coup, c'est parti, ça peut repartir. Mais y'a que toi là. Ouais, moi j'ai eu peur. Ok, je pense qu'il a crash. La course en est collée actuellement, une voiture derrière, voilà. Bon chance. Ouf là. Chiche. Tu connais la technique du cinéma ou pas, Roya? La fois on a explosé des flics comme ça. Mais oui. Une chance sur deux qu'on explose. Hein. Oui, la citerne à droite là. Oh merde. Snap. Non, par pitié. Oh la vache. Ah putain, je suis trop fort. On a failli. Non, t'as serré les dents, non? Non, les fesses, pas les dents. Ah oui, voilà. Oh la vache, on a eu chaud. Ah. Merci. Oui, ils sont cool, hein. Ouais, ils sont. Ça pas tous. Swing. C'est plutôt pas mal. Super ça, super. La technique du demi-tour. La technique des palmiers, Roya. Un grand classique au Sahara, Roya. Un grand classique au Sahara.
Voilà, les dates, les dates, les dates. Date partie, date partie, voilà. Hop là, dans le vent. Ah, la libidule. Yes. Le dragon crache du feu. Mais, ah, il est sur qui? Oh non, t'as gagné. Super ça, meuf. Joli move de la part du joueur franco-marocain américain. Le petit stop histoire que le. Je suis tout seul en Nikon sur la Niki, je vais faire un petit GPS. Il est tout seul. Hein. Actuellement, en Nikon, il galère tout seul, Miskin, personne ne veut l'aider. Non, t'inquiète, ils arrivent. Ils arrivent? Ouais, ils arrivent, t'inquiète. Vas-y. Les collègues arrivent. Little Soul actuellement, where's the news? Little Soul actuellement, je répète, Little Soul. Le move du joueur franco-marocain, je dirais. Ouh, 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 ouh. Tu peux ce petit passage de merde. Wazel News encore. Ouf, j'ai peur. Chantier Wazel News. Plutôt pas mal, petit demi-tour. Nice. Tu te rappelles le chantier ici? Le chantier, ah oui, là-haut. Même tu sors là-haut. Tiens, mais il y a une mouche qui me casse la tête. Tout à l'heure, j'ai envie de la taper. Ben vas-y, tape-la. Mais je la vois plus. Ah là. Oh, oh, je prends là. Ouais. C'était comment pour vous? Bah là on attendait des renforts, on a je crois on a un hélicoptère. Bah attendu. Nous aussi on attendait, non, c'est bon, on l'a mis à l'amende la voiture. Bah nous aussi mais bon... Il y avait 4-5 voitures devant la bande. Ouais mais il y en a une pour les otages, je crois. Vous êtes où là? Là on est derrière Arcadius. Ah je crois que je vous ai vu, il y a une voiture derrière votre police. Oui, oui, oui. Elle n'a pas tiré une bruit. Oui, allez j'entends, hélicoptère. Swing, so swing. Ah c'est bon, on a un hélicoptère dessus nous. Ah nice. Super, ça commence à se corser. Dédicace à Ajaccio. Dédicace à tous les Ajaccio. Ajaccionnés. On a toujours l'hélicoptère? On n'a plus l'hélicoptère. Tu vas semer l'hélicoptère. Moi je pense que t'es un shit. T'es un shit. Tu penses? C'est trop facile pour toi. Ben oui, Royal, mais après c'est du génie, Royal, qu'est-ce que je te dis? Après, quand quelqu'un te dit que t'es un shit, c'est positif, hein. Comme le Covid. Ah oui, sauf le Covid aussi. Bon, ben voilà, t'as réussi. C'est vrai, l'hélicoptère il est parti? Ouais. Oh non. Hello? Ouais. Hello? Ouais, Mar, ça va quoi? Ah. Ben toi? Ouais, tranquille, on est là. Dis-moi, j'ai une question qui concerne le mode musique. Ouais. J'ai des émissions en préparation. Mm-hmm. Et je voulais savoir, ça te chauffait peut-être d'en présenter une ou deux. Émission de quoi? Je sais pas si. Émission liée à la musique. J'ai différents concepts. Fou, ouais. Au pire, je peux te les présenter et tu me diras celui qui t'intéresse si tu veux présenter. Certains épisodes ou trucs comme ça. Ouais, vas-y, ça marche. Pour qu'on parle de voix vive, ouais, ouais, vas-y, y'a pas de soucis. Ouais. Ouais, ça marche, je te fais tout sur un dossier, comme ça je pourrais tout expliquer proprement. Vas-y, ça marche, on fait comme ça. Vas-y, je te remercie. Vas-y, on s'y au courant. Vas-y. Vas-y. Les gars, c'est bon pour vous? On a sécurisé l'argent et les armes. Ouais. Ah, nickel, nickel. Bah, moi j'ai semé voiture et hélicoptère, mais je suis déçu, oula, ça a duré 3 minutes. Ouais, ah non, c'était rapide de fou. Attends, je passe, j'ai lancé un deuxième round. Tu veux que je conduise? Non, mais c'est pas toi, vas-y. Vas-y, bébé. Tu veux conduire ou pas? Tu voulais conduire de base? Non, non, vas-y. Bah, moi, c'est bon, j'ai conduit. Hein. Ils vont arriver, bouge pas. Eh oh ouais, non, c'est oh nous oh les brigands! C'est nous les brigands! Et c'est parti, Roya. Arrêtez-vous, vous êtes cernés. Ah, la technique, Roya, la technique. Arrêtez-vous. On est cernés parce qu'on n'a pas beaucoup d'armée! Ah, tout! Aïe 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 aïe. La technique de la date périmée Roya du Sahara, ça fonctionne hein? La technique de la date périmée du Sahara. Sahara. Quoi ils disent Sahara les gens? Sahara. 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 Normalement c'est Sahara mais eux ils disent Sahara tu vois en français. Sahara. Sahara. Ouais, Roya, oh y'a un. Ok y'a un hélicoptère sur toi. Mais la voiture. Ah mais j'étais Mister Freeze. Ah bon? C'est cringe. Non là elle passe pas, elle passe pas. Bien. Heureusement que t'es là, copilote. Hein. Ok, hop. Je l'ébreins. Je valide.
Oh non. Et voilà. Il a tous les copains. Non. Non, il a pas de visuel sur nous, frère. Si, t'entends. Je l'entends un peu. Ouais, mais il a pas de visuel, il nous voit pas. Mais si, je vais bouger. Ah, tu fous ! Je regardais derrière. Merde, je regardais l'écho. Moi, je regarde derrière, t'inquiète. Vas-y. Ouais, je crois qu'il nous a vu. Femme au volant, t'as bien sauté au volant. Vas-y, tiens. Et voilà. Oh, ouais, il a dégommé la voiture. Ah, t'es-moi les biscottes. Ah, ouais, t'as dégommé la voiture en 40 secondes, frère. Non, parce que je regardais l'écho. T'inquiète, c'est quand c'est le copilote, c'est moi qui regarde, regarde. C'est nous les brigands! C'est nous! Oh, il y a une voiture derrière, on va se taper. Vas-y, j'ai la ligue derrière moi qui me poursuit. Mais bénis actuellement. Oh non, elle est derrière nous, flûte, croix de débique. T'as mis les lumières? Faut que tu les fasses. Ouais, non, t'inquiète pas. Juste les faire? Ah ouais, Zerma, ça fait un peu. Ça fait un peu. Ah ah, Chris, man. Oui. Les virages comme ça, je. Ouf! Le poteau qui ne sert à rien. Regarde, tu vois là, fais des demi-tours après. Comment ça, des demi-tours? Ah, moi, tu fais des demi-tours parce que ah, tu oui, 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 t'inquiète. Je vais aller prendre l'envie avec. Voilà, tu vois, là, tu l'as fumé. Là, t'as gagné, là. Ah non, pas vraiment. Ne crions pas victoire avant d'avoir tabassé l'ours. Non, là c'est bon. Là tu te mets dans une ruelle et c'est cringe. Cringe? Non, c'est cringe, je sais pas. Je sais pas, j'ai appris un mot. Ça va dingue. Ah, faudrait que. Eh Hamid, lâche pas l'affaire avec Loïs, hein, faut que tu l'attrapes, hein. Ah, ça y est, c'est bon, laisse tomber. Elle est trop avec son patron, voilà. Mais frère, mais justement, crée des tensions, Roya, essaye de la rendre jaloux, essaye de le rendre jaloux. Patron, ouais, j'ai pas aimé comment il m'a parlé. Bah justement, te laisse pas faire alors si t'as pas aimé, laisse pas tomber l'affaire. Essaye de se faire le patron. Essaye de buter le patron, comme ça tu deviens le patron, comme ça tu la gères. Moi je pense que le patron c'est un BDG et là il veut pas se laisser approcher les gens. C'est ça, c'est tout. T'as vu quand il a pris son numéro, il est venu en mode direct, appareil photo et tout, tac 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 tac. Ouais, il a cru que c'était une interview ou quoi.